Dès le début, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs pour me sentir bien, pour pouvoir aller travailler. Mon truc à ce moment-là, c'était me jeter du haut d'un étage, enfin du haut d'un immeuble ou du haut d'un pont, ou c'était me jeter, voilà, me jeter. Comme j'arrivais pas à le faire, mais je visualisais très bien dans ma tête comment ça pouvait se faire. Hein. C'était, il n'y avait pas de problème. Ben, je me suis laissée dépérir, hein, c'est-à-dire que je ne mangeais plus, je ne me lavais plus, je ne me levais plus, je pleurais tout le temps, j'avais des idées de scarification. C'est souvent le porc qui met le holà et qui dit à la personne qui souffre, tu ne peux pas aller plus loin, tu ne peux plus prendre sur toi, sinon c'est ta vie que tu mets en danger. Catastrophe, c'est arrivé au suicide. C'est arrivé au suicide parce qu'on est dans un état qu'après, on essaye d'analyser raisonnablement, on se dit, il n'y a quand même pas de quoi. Mais c'est vrai que quand on est dedans, on ne s'en aperçoit pas et petit à petit, on arrive à un tel point de désespoir que, on a envie que ça s'arrête.